Willy Romani. Europe 1, faites entrer l'invité. 10h30, midi. Oui. Alors il y a un moment, c'est vrai, c'est le moment où les invités redoutent, hein, ce sont les remerciements de Willy Romani. Merci d'être venu nous voir, cher Dave. Alors je vous le dis tout le temps, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de vous chroniquer. Oui. Ça fait des années hein, qu'on se croise tous les deux là, dans diverses radios. Alors je me souviens, la première fois, c'était sur RMC il y a 10 ans, souvenez-vous. Dave, bonjour. En ce 4 avril 2002, vous sortez un album compilation de vos meilleurs tubes, Vanina, du côté de chez Swan, et bien sûr l'inégalé, Danser maintenant. 2 ans plus tard, je vous recevais sur FIP. Dave, bonjour. En ce 4 juin 2004, vous sortez un album compilation de vos meilleurs tubes, Vanina, du côté de chez Swan, et bien sûr l'inégalé, Danser maintenant. 2 ans plus tard, je vous recevais sur France Inter. Dave, bonjour. En ce 10 octobre 2006, vous sortez un album compilation de mes meilleurs tubes, Vanina, du côté de chez Swan. Et bien sûr, l'inégalé, Danser maintenant. Alors, quel plaisir sincère de vous avoir reçu ce matin, pour une toute autre raison, puisque vous sortez une compilation de vos meilleurs tubes, Vanina, du côté de chez Swan. Et bien sûr, l'inégalé, Danser maintenant. Sauf que là, vous les avez réorchestrés façon soul. Alors, Dave n'est donc pas à l'abri de qu'on vous revoie dans 2 ans avec Vanina, version portable qui ne passe pas. Vanina. Attends-toi. Voilà, dans 4 ans avec Vanina, version à l'envers. Toi sans rien, suis ne je que. Allez! Toi rappelle Vanina! Et dans 6 ans avec Vanina version Michel Leb. Vanina, rappelle-toi! Que ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines! On n'est donc pas prêt de se débarrasser de Dave. De toute façon, si c'est pas sur disque, c'est dans la télé hein, qu'on l'a en juré incroyable dans l'émission Incroyable Talent, une super émission. En Grande-Bretagne, ils ont découvert Suzanne Boyle. L'autre, elle est encore vierge à 50 ans. Quand elle a fait Vivement Dimanche avec Drucker, elle était toute fébrile. Ah, I want to fuck you, Michel! I want to fuck you! Elle savait qu'il était fan des animaux, donc elle s'est dit j'ai toutes mes chances. Tellement barbu la chanteuse, en arrivant Michel l'a confondu avec Eddie Mitchell. Hey Schmoll, ça va? I want to fuck you Michel. En tout cas cette année Dave, vous nous avez gâtés. Il y a 15 jours sur M6 d'Incroyable Talent, l'homme qui cassait des noix avec ses fesses. Waouh. Le lendemain dans le Nouvel Obs, Desk à l'homme qui cassait des fesses avec ses noix. Wouh. Hier soir en finale, il y avait un petit de 11 ans qui faisait de la ventriloquie. Ah, moi aussi hein, j'ai eu un spectacle de ventriloquie à la radio à mes débuts, c'était génial. Ah, bonjour Chaussette. Bonjour Winnie. Voilà, c'est très radiophonique hein. Ah, est-ce que ça va Chaussette? Qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Ah, mais j'aimerais bien faire un jeu avec toi. Ah oui Chaussette. Oui. J'aimerais bien réciter l'alphabet pendant que toi tu bois un verre d'eau. Ah bah c'est un super jeu Chaussette. Ah oui, vas-y. Bon, ok. Pas pardon, il en a mis partout. Moi, bon, je suis désolé. Pardon, il a mis une chaussette sur sa main. Voilà. Évidemment. Comme souvent. Comme excusez-moi. C'est un super. Bon bah jeu, voilà, ça. C'est un super. Voilà, c'est très ah, très. C'est très sonore. C'est, hein, c'est ça qui est bien. C'est le tatouage. Tu t'es fait chier pour cas, le prénom ouais, de chaussette. Ouais. En tout cas, c'est vraiment con la ventriloquie. Heureusement qu'il a pas gagné ce petit merdeux. Du coup, c'est donc une fille de 13 ans qui a gagné. Émile Louis devant son poste était tout ravi. Fifi. Ouais, calmez-vous. Alors, elle a la chance de faire la première partie de la comédie musicale. Si. Alors, elle pourra faire donc la première partie de la comédie musicale Adam et Ève. Je savais même pas qu'elle existait, cette comédie musicale. Je ne la connaissais ni d'Adam ni de Dave. Bravo. Voilà. Oh. En tout cas. C'est d'Obispo. Oui, en tout cas, c'est bien de vous voir en très grande forme, Dave, surtout après cette opération cardiaque lourde. Hein, on en a parlé, une opération qui prouve, mais ce n'était pas nécessaire, que vous avez un cœur et dans ce métier, ce n'est pas si courant. Alors, pour tout ça et pour tout le reste, tout le public et Chaussette se joignent à moi pour vous dire. Merci! Willy, le 31 décembre à Lyon, du 5 au 14 janvier à Nantes et les 3 et 4 février au Bataclan.